Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? Espérez-nous en forme. Bon, espérez-nous en forme. Non, nous obligés qu'embé, nous obligés qu'embé moral. Non, nous obligés continuer vivre. Mais c'est pas vivre, n'a vivre en dedans pays d'Haïti. Situation compliquée, maman petite Marivotte. Haïti insécurité, bandits continuent à simailler la troublaille, négazam continuent à bataille pour territoire, continuent à mettre de l'eau dans les yeux population. Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, c'est gang exam, c'est bandit seulement qui a terrorisé la population. Gros défilé a fait, nèga gros am, bandit exam, fait une fois dans mes yo occupé Solino, yo occupé Belé, c'est coup de balle qui a tiré. Eh bien, moun yo pas capable encore, y a prélé, en mouay gouvernement Ariel, pote yo secou, qui ça qui a fait, qui ça qui décide de faire, eh bien, Ariel, boucher les oreilles, il râle, coton, il boucher les oreilles, il dit, pas tende, li pas pouvoir rien qu'à régler en dedans pays là avec gang qui a fini avec la vie population. Mes amis, ça pour rien. Vite l'homme n'en boit pas, il continue à terroriser population. Vendredi soir, il était 11h du soir, SOS information qui arrive joindre nous, et bien gang vite l'homme non. Gagne bandi qui habillé avec uniforme la police. Il y en a quatre machines, yo décidé, yo al paquet bon maquette qui rele One Stop Market sur route frère là précisément dans frère 44. Eh bien, information ça li sorti de bonne source côté dans youn kay gang vite l'homme yo te décidé rentrer. 11h du soir moun ap dormi. 11h du soir, moun yo couché dans cabane la kayo. Puisque journée en fini, yo pensé yo à l'abri insécurité, yo pensé yo à l'abri violence criminelle, yo la caillon et pas arrivé yo, et bien c'est bien compté mal calculé, gang bandi azam grimpé tête mur, ouais pour ta ouais, qui hauteur clôture moun yo. 11h du soir, nèg yo débarqué la caillon moun yo, yo grimpé clôture, yo rentré caillon moun yo, à quelques mètres de l'académie police. À quelques mètres de l'école de la magistrature, côté au formé juge. En vérité, bandi yo depuis 11h du soir, yo commencé à tirer, yo commencé à simailler la troublaille, créer un climat de terreur, faire moun yo peur en bas coup de balle, par un policier qui ripostait, par un policier qui répliquait, et puis nèg yo rentré, yo kidnappé moun, yo bat moun, gagné pas moins que 8 moun bandi kidnappé ali. Yo kidnappé 3 femmes, yo kidnappé 5 garçons, pile l'autre moun prend bois, pile l'autre moun maspiné avec kòz am, yo bat moun, yo bat moun, yo bat moun. À quelques mètres, à quelques pas de l'école nationale de police. Nous gagne l'école Sacré-Cœur. Mes amis, bagay yo triste. Ou regardez là dans photo a. Mzoumé pour kawel. Si moun yo mette casse nan tête yo pou yo chita pou yo passe examen. Yo vin passe examen. La veille, en jeudi, gang bandi exam vini, yo kidnappé un élève à toute parole dans l'école là. Le lendemain, fok ti moun nan vin compose examen yo dans période d'examen. Gen affrontement, gen gang balma on vini. Pèse ton l'école la rentre. Disposition oblige pran. Chercheur yo oblige. Mette kas nan tèt ti moun yo pou yo passe examen. Ki pays nou vle fè? Ki pays nou vle fè? Ki société nou vle construit? Jounen jodi an terreur lan, jounen jodi an gang nan nèg exam nan. Yo utilize l. Yo utilize l pou yo fè haïtien fui pays. Pou yo fè haïtien kouri kite pays. Et dans l'émission de mer, demain, je prépare une belle émission. Je prépare une émission très intéressante pour nous. Déjà, je m'invite au paratil. Parce qu'on prend l'origine zam. On prend l'origine gros zam, une fois ça, yo. Véritablement, qui parcours, qui quantité route yo fait pour yo atterrir là. Qui quantité côté yo passé pour yo atterrir là. Pour yo vin faire kidnapping, pour yo vin faire assassinat, pour yo a bon pression pendant yo couche, yo a fait ka déjà sou. Des garçons, pour yo a bon pression exam pendant yo a fort fait massissi. Permettez-moi. Donc c'est ça, c'est là nous y a avec pays. Et pourtant, Ariel, li pa wèl pa tande.
Nous gagnons Emily Prophète, ministre justice, qui parle pas attendre. Au moto au conseil de transition, qui te gagne objectif, mission, chita, élaboré sous question et sécurité, vine avec des propositions, on merde pas réglé. C'est comme si c'est commerce, c'est liquidation y a fait, y'a allé dans le ministère de commerce, c'est la bureau y'a. On nous prend ici pour ma caque. Nous prend ici pour ma caque définitivement. En tout cas. Nous allons dire en tout cas. Nous allons dire en tout cas. Oui, parce que moi-même, ça m'a préparé pour Nexayo là. Antoine, non, combien pas well. Yo pas cap créer conditions pour tout haïtien fuir. Yo pas cap créer conditions pour tout haïtien décider by vague pour nous tous décider courir pour aller qui côté nous braler. C'est Haïti, nous gagne Haïti, c'est la caille nous. Même là, gè opportunité, en pile moun jwenn pour yo aller dans programme Biden. Non, mais après deux ans si Biden dit yo pas kembo, yo pral faire. Sou pa gen tan jwenn on nèg ou bien on forme le bois pour marier pour résidence, qui sont pral faire? Qui sont pral faire comment pral vivre ou pral être illégal dans pays moun yo? Yo dou c'est deux ans yo ba ou, yo pas avoir plus que deux ans non. Sou payroll là, sou rentrer jodi 5 là. 5 mars 2023. Al gade combien mars yo mande pou kite l'autre bois? Al gade combien mars? Haïti la kayou, tande? Haïti la kayou, et c'est Haïti pour nous défendre. Ou mette de tout so, tande? C'est Haïti pour nous continuer défendre. Et, m'pa konne ou même zanmi ki sonje Hérode. Hérode, 1er janvier, nous te fait programme sous Joumou, nous te al supporter moun ki défavorisé ou moun ki te dans nécessité yo. Et c'est à partir de là, m'ta pral contre avec jeune garçon sa qui te dans situation très critique, qui te très malade, son moun ki handicapé, son moun ki a mobilité réduite liée. Donc, nous te choisi pour nous aider. Nous te choisi pour nous aider pour la prendre soin l'hôpital et route d'être fait opération. Et moun ki te connaît au d'avant yo, jounen jodi an la, et route changer net. Hérode ville frais, Hérode passé non point A à non point B. Hérode te gagne et volonté pour te font business. Et nous même qui toujours supporter Hérode, pas trop nécessité chaque jour pour m'aider, même te dit vina avec proposer mon bagage côté que ou même madame nous ka prendre engagement pour nous commencer une activité, pour nous et dérocher nous avec une activité pour nous répondre avec propre besoin parce que chaque jour c'est pas moi pour aider nous, mais si m'ba nous opportunité, m'aider nous créer un business, mettre un business campé, faut nous même nous ka continuer aider tête, nous ka assumer responsabilité nous. Eh bien, pour nous arriver à supporter Hérode, il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce que ce n'est pas tout le monde qui a une volonté ou qui a un moyen qui a aidé nous. Je profite de remercier mes amis, les amis qui ont décidé pour supporter le projet, pour supporter l'initiative. Là. Et 400 amis, ça, vous connaissez qui est assuré. Et merci en pile, merci parce que. Nous te choisi répondre et présent, nous te choisi répondre positif. Et moun sa yo, c'est des moun qui toujours là. C'est des moun qui toujours là pour supporter. C'est des moun qui toujours là pour aider. N'importe qui ça yé. Et yo toujours là. Parce que ça, son équipe solide, son team solide yo yé. Yo toujours mette dans tête yo avec faible moyen ou rien, avec faible contribution yo kabay la. N'importe qui ça yé. Li ka font différence. Effectivement, li font différence. J'en ap gade là. Ça c'est bagay, nous te promettre Hérode, Hérode demande, madame Hérode, yo te suggéré, parce que dans la localité ou dans la zone yo, activité yo fait dans la bourette, yo kal mette tout bagay yo dans la bourette, yo loué en place dans le marché, hein? Et puis y a vaqué avec activité yo. Eh bien, je n'ai pas regardé là, chose promise, chose due, nous te allé pour aller supporter Hérode, pour aller aider yo. Nous connaissons gen moun ki la, et gen ayisyen ki la, yo la seulement pour yo critiquer. De là seulement pour critiquer, jamais encourager, jamais prendre aucune initiative. Gen moun, c'est la nature et ça est même. Et ou ka remarquer, ou pral di, oh, regardez ça le bay monsieur, etc. Krab la bat trois gars. Nous dit nous ça déjà, c'est quatre moun qui te décidé monter à bord, qui te décidé supporter, qui te décidé encourager l'initiative là pour te aider. Mais tout bagay chè. Tout bagay chè. Ou te mette gen $10 nan mon ka di $10 ou pas pral achete un paquet de bagay avèl. Et puis $10 va même acheter youn nan sou te vize. Tout bagay chè. Donc, pa wè quantité a pou di que son ti bagay raz, etc. Mais so wè la li koute et le koute en pile. Donc, nous ka toujours décider à n'importe qui moment et aider au grossi commerçant, aider augmenter commerçant. Mais ça qui là et déjà madame Hérode me parler avec lui, on commencer avec activité, on commencer à brasser la rue. Donc pour voir comment eux même ils répondre avec besoin yo. Parce que chaque jour là c'est un monde qui baou
on bonjour mon n'a décidé le baba ou ka ou te kachi ta rapton oh je dis an et Yannick a poton 1000 goud moins et puis Yannick levé il pas jeune 1000 goud là pour le baba ou pas même jeune 1000 goud là pour tête pas donc kounia qui ça le fait qui ça le faire donc là lui même kounia li gagne possibilité pour le chercher 1000 goud li pour col li gagne possibilité pour le chercher 10000 goud 15000 goud 20000 goud pour col donc la ka fèl et la ka aider non seulement la pède tête li la pède madame ni la pède petite li la ka répondre avec besoin li et yon nan bagay m te tout di madame yo avec tout et commerce c'est pour yo et pour yo faire grandir. C'est pas un commerce comme si pour yo et répondre avec besoin yo vendre et comme la régler l'autre bagaille. Non, l'on a fait commerce, premier objectif là, c'est pour le grandir. Donc, n'a toujours été connecté, n'a toujours été update pour nous, ouais, est-ce que vous crasez business, est-ce que business a prospéré, est-ce que le grossi, ou a toujours été informé parce que ça fait extrêmement important pour moi, et m'con est extrêmement important pour les amis qui t'aide, pour les amis qui te fait sacrifice, supporter yo, pour yo, ouais, qui sa contribution yo, pour yo, ouais, qui sa li réalisé. Et invitez-nous pour aujourd'hui dans l'espace Libre Opinion, c'est Rosemond Jean. Bon, Rosemond Jean, passé de présentation. Qui est-ce qui pas connaît Rosemond Jean, activiste politique, qui n'en tête et une structure politique qui toujours là, qui a dénoncé. Qui est-ce qui pas connaît Rosemond Jean, son jovenelis, qui a défendu bec et des ongles, justice sous président Jovenel Moïse, qui pas jamais suspend, dénoncé, présumé assassin, présumé complice, etc. Donc, aujourd'hui, là, nous prenons le parler avec lui dans l'espace Libre Opinion. Nous prenons parler sous dossier insécurité, sur instabilité politique, sous gang, sous kidnapping qu'a fait, sous mauvaise foi qui gagne par bon côté communauté internationale. Nous prenons parler sous dernier rapport ça que Nations Unies mettait dehors qui accusait États-Unis directement et dans trafic d'armes qui a augmenté niveau insécurité avec violence criminelle dans deux pays. Qui ça le pensait comment le gouvernement Ariel Henry a accepté bon paquet de bagaille nous prenons avec lui. Déjà, ma petite vidéo, partagez vidéo, hein? Partagez vidéo, c'est extrêmement important. Il faut nous apprendre à encourager bagaille qui est sérieux, faut nous apprendre à encourager bagaille qui est valable, faut nous apprendre à encourager ça qui est positif. C'est pas seulement zin, c'est pas seulement buzz, c'est pas seulement roi, mais faut nous apprendre à encourager bagaille qui est sérieux, qui a aidé nous. Ouais et bagaille ouais dossier pays plus loin ouais des ensemble de décisions qu'a prend sous scène politique là qui côté le mener nous ouais dans qui tout nèg qui dans international dans différents acteurs internationaux à plaguer pays donc sans perdre du temps nous allons passer dans l'espace Libre Opinion avec Rosemond Jean. Je m'étais déjà annoncé dans l'espace Libre Opinion jeudi hein, invité nous c'est monsieur Rosemond Jean. Avec lui nous allons parler sous différents problèmes qu'a brassé bill pays qu'a brassé bill société hein. Problème insécurité, instabilité politique, kidnapping qui a valé terrain, bataille territoire. Tout bagaille ça est extrêmement important pour nous parler sur yo. Haïti face à problème insécurité, est-ce que il y a un moyen rapide et efficace nous ka utiliser pour empêcher bandi continuer occuper espace de le pays, continuer terroriser population. Ensemble avec Rosemond Jean nous pral répondre question yo et garder ensemble qui perspective de solution qui ça le proposer face avec problème insécurité gang qui va les terrain. Bonsoir monsieur Rosemond Jean, bienvenue dans l'émission Mon Éditorial avec Yannick. Bonsoir Yannick, c'est un plaisir pour moi pour participer dans l'émission et m'a salué tout auditeur auditrice, tout internaute nous, tout compatriote frère, c'est nous ça au cap vivre la République dominicaine, Brésil, Chili, que nous connaissons, qui a pris pile déception, mais indépendamment volonté, obligé de quitter le pays. Maintenant, comme dit, c'est quoi qui est à l'étranger, parce que non, yo, en Haïti, yo si bien même avec nous, y a souffri, parfois y a souffri puis mal même, parce que pas gain chance pour ouest. Effectivement, ça cap passe dans le pays. M'a salué ça au qui Canada, qui New York, t'as coup, m'a salué un paquet de gros garçons qui supportent nous, même si on fait ça, t'as coup, on est capable de dire Fondation Boustadion, Jimmy a fait Mon Bon TV, Comité 100% Diaspora, qui gagne Madame Beata Prosper, et Bertochon, et tout l'autre, ça m'a cité, mais qui est engagé dans une véritable bataille pour permettre, pour y'a ta
stabilité, la paix, tranquillité tourner dans le pays. Comme on connaît mission par moi en tant que coordonnateur FONOD, qui est le Fonds national des organisations de résistance pour Haïti stable et démocratique, ça veut dire disons-nous, projet-nous, plan-nous, philosophie-nous, c'est à ouais, pays a une stabilité, a la paix pour toute petite li à vivre la donne. Eh bien, encore, moi salue, moi dis merci parce que bon opportunité ça pour me parler avec auditeur auditrice ou yo. Et déjà ma première question la fois pour disponibilité ou et mon chose mon Jean, on pas connaît si ou gen tan gade dernier rapport Nations Unies sorti là côté yo indexé ou bien yo accusé ouvertement États-Unis dans trafic d'armes qui circule dans pays et trafic d'armes ça qui rive augmenter niveau insécurité, violence criminelle, kidnapping qui fait en dedans pays. Et comme nous connaissons monde qui a visé ou son monde qui a suivi politique là, qui a suivi et ça qui a passé sous scène international là, c'est qui perception ou même ou gain de rapport ça? Comment on comprend rapport que Nations Unies sorti et qui accusé États-Unis dans trafic d'armes qui gain en Haïti là? Bon, moi-même, faut bien dire, l'aime temps du rapport, l'aime garder en partie, pour moi, Nations Unies, a cherché pour voir dans quelle mesure qu'ils étaient capables de faire, ils étaient capables de dédouaner tête dans la situation chaos, que nous trouvons là. Rapport ça pas qu'à dédouaner Nations Unies, parce que, quand on parle de les États-Unis, c'est même Nations Unies, c'est même Conseil de sécurité permanent, même Conseil de sécurité de l'ONU, ça veut dire, monde qui peut représenter Haïti, qui menait Haïti côté l'IA, c'est implication Nations Unies à travers plusieurs débarquements qu'ils ont fait, mais ils ont fait toujours avec, on t'a dit, mission pour venir accomplir mission pour les États-Unis. Ça veut dire, je vous dis assez de bêtises, encore, Nations Unies continuent à passer. Non, pas oublier, Madame Hélène Lalim, ou Lalim, qui était en Haïti, qui était représentée, qui était dans Buni, qui était là, qui était partagé, m'a dit, l'État avec Jovenel Moïse, eh bien, c'est vrai, l'État américaine, mais pas oublier, l'État préoccupé mission, l'État en bas, rigide, et ça a eu résolution Conseil de sécurité de l'ONU. Ça veut dire, c'est pas aujourd'hui à Piota dénoncer, c'est pas pendant que traîne nous dans le cas, pas oublier, nous voulons nous comprendre ce qu'a fait là. Ce qu'a fait là, monsieur, et communauté internationale là, veut traîner nous dans sa nouvelle, yon Somalie, yon veut mener nous dans yon Rwanda. Malheureusement, pour yon, Haïtien n'a pas un peuple qui est tellement violent et c'est ça que la guerre civile n'a pas éclaté. Mais pas oublier, Nations Unies, pas seulement non pays du côté qui est noir, pour les sortir, pour ne pas créer conditions pour la guerre civile là-dedans. Ça veut dire, pour moi, rapport pas dédouaner Nations Unies, pas qu'à dédouaner les Nations Unies, parce que Nations Unies jouent un rôle prépondérant dans la situation difficile que le pays a connu aujourd'hui. Mais Kounia, par rapport avec les quantités d'armes qui ont circulé dans le pays, hein, nous songeons et sous administration président Jovenel Moïse, tu as gagné CNDD, tu as gagné commission qui t'a remis tes campés. Journée aujourd'hui là, est-ce que d'après vous-même et gouvernement qui la gouvernement Ariel Henry, il a comptabilisé, il a fait inventaire de quantité d'armes qui gagnent, de qui qualité d'armes qui gagnent, bandits qui gagnent en possession, qui t'a aidé la police nationale d'Haïti pour connaître comment si toutefois ta bon volonté nèg yo ta fait preuve de bonne foi pour yo ta mettre sécurité en dedans pays hein? comment yo te ka préparer terrain? Est-ce que d'après ou même bon travail d'inventaire qui fait en dedans pays hein, dans ça qui gen pour avec groupe gang yo pour yo ki quantité d'armes qui qualité d'armes que bandi yo a utilisé là? Pour moi même comme bien dit Yannick, c'est pas zam qui nan men bandi yo qui danger a. OK? Mais ça qui est danger dans la question, c'est la complicité de l'autorité qui est placée pour mettre l'ordre, pour restaurer l'autorité de l'État. C'est l'alliance que vous avez avec Bandia qui est danger. Ça, c'est vrai. Parce que dans tout pays, il y a un banditisme. Dans tout pays, il y a un côté terroriste, il y a toutes sortes de bandits. Cependant, dans le pays, ça y a l'État qui dit, Wall Payo, c'est engager dans la bataille pour protéger les citoyens. Qui différent
La caille, non, parce que la caille, pas nous, monsieur, dame, qui a fait politique, yo, les hommes d'affaires de ce pays, yo même bras armés, yo, ils ont utilisé Bandio comme bras armés, yo, pour yo mettre l'autre compétence, l'autre cadre, l'autre investisseur, time venant de pays, c'est juste une politique. Ou mettez dehors. Donc, on a cap à noir, c'est pas une question bandit, c'est pas même une question de terroriste. Parce que dans l'autre pays, côté des terroristes, ils ont quitté le pays à fonctionner. Est-ce qu'on l'a? Dans l'autre pays, ça veut dire que les terroristes, ils ont attaqué l'État. Ils ont attaqué l'intérêt de l'État. Ils ont dû attaquer des bagailles qui ont pensé, si on fait le cap, ils ont sous l'État. Mais ils ont quitté la vie. Ils ont quitté, ça veut dire, libre de circulation. Ils ont quitté des activités économiques marché. Mais pour nous, ça qui a passé là, Madame Yannick, les plus que ça. Ça qui a passé là, c'est un complot, nous prenons un complot international et qui a exécuté avec Sanouele, tout le reste avec, qui t'a servi oligarque corrompu dans le pays, ils ont utilisé Mounsayo, ils ont parlé de tout oligarque, dans le niveau presse, ils ont dit Mounio, dans le niveau secteur l'église, ils ont dit Mounio, dans le niveau secteur vote, ils ont dit Mounio, dans le niveau secteur parti politique, ils ont dit Mounio, ça veut dire ils ont utilisé propre armé en dans la société pour être capable atteindre l'objectif. Et c'est là danger. Danger, c'est comme si ou même m'a venu avec un monde qui passait maintenant comme. Mais ou même ouais, c'est deux monde qui bien cap marché, pourtant mon revolver bon votre principal il pas parler. Est-ce que vous comprenez? En pourtant, si c'est deux monde ouais cap gourmer, il y en a tué coupe sur l'autre. Quand même ou l'autre mon a prêté pour dire non, monsieur quitte ça pas gourmer, pas gourmer. Bien sûr, oui. OK. Alors que là nous prend le Canada, la France, les États-Unis, trio ça, objectif, comme je dis, nous n'avons pas qu'à restaurer l'esclavage dans la dimension avant la bataille de Dessalines, mais nous voulons mener nous dans une sorte d'esclavage moderne. Ouais? Ça veut dire, mettez-nous dans une situation côté, c'est nous qui avons porté tête nous bayou. Comment créer une situation, comment permettre que nous-mêmes évacuer, quitter. Ça veut dire, fais-nous plein pays, fais-nous l'aïe pays. C'est comme si nous avons guerre, de vous perdre la bataille psychologique, de vous perdre l'opinion, ou perdre la bataille là. Ça veut dire, vous créez une opinion sur Haïti, côté. C'est pas côté mon avis, c'est pas côté mon cavis, c'est on l'enfer, c'est là. Et puis, qu'on y a, il y a pas exercé, lui, créer conditions. Mais, plus gros danger, t'as comme dit, ou, qu'il y a été fait recensement, qu'il y a été mette campé CNDDR, le fait que patron, trois patrons, ça, yo, contrôle politique pays, pas d'accord pour gagner la paix et stabilité, eh bien, m'bon garanti que vous te fait 10 000 recensements, que vous te combien d'âmes qui gagnent, c'est pas là le problème dans Chita. Le problème non, c'est que vous refusez autorité. Vous permettez pays à gagner des autorités qui fait partie même gang ça yo, parce que je dis à Yannick, ma caché d'où, de façon sincère, on met quoi, Haïti a dirigé par une fédération assassin. Et c'est ça qui met, qui permet de mendier en confiance. Ben oui, tout à fait, okay. Parce que Bandi yo jwenn alye an dedan pouvoir, donc li nèg yo alye. Une belle bonne nouvelle, Yannick. Est-ce qu'on connaît ou met al men enquête ou? Le gouvernement Ariel Henry a dépensé plus passé $800,000 américains pour bay Bandi village de Dieu, différents bandits en bas la ville là pour te permettre carnaval fait. Les bandits ça ou gen plus passé $800,000 américains en main yo. Ou n'y a eu gen kob pour acheter munitions, pour acheter balles, pour acheter zam. Est-ce qu'on voit qui côté nous pralé? Exactement. Nous pralé le chaos généralisé. C'est ça qui a venu. Pendant la police pas de moyens, pendant y a plein la police pas de moyens, pendant y'a pas voulu engager et l'armée dans rétablir sécurité pays, eh bien, y a foué l'argent par les bandits et ça, ils viennent renforcer les bandits. Qu'on y a l'autre bandit qui pas joindre l'argent. Les médecins, la marche boule, qu'on y a, la craser pour permettre que yo, lui-même tout lui joindre l'argent parle. C'est l'argent, yo pas joindre. Yo dit, yo pas qu'à bailler village de l'argent, yo bailler l'autre côté l'argent, et puis yo même yo pas joindre. Mais ça que mène, nous continuons là, je dis. Bon, bah, vous dit qui est extrêmement important. L'autre parle, approche ou fait sous Nations Unies, sous rapport et ONU DC,
présenté un côté que yon accusé États-Unis de trafic d'armes qu'a fait dans le pays. Ou dit que c'est simulacre, c'est temps perdu, c'est magouille, c'est manigette qu'a fait. Nous songeons une résolution qui prend dans même Conseil sécurité des Nations Unies et régime de sanctions qui sanctionne un paquet nèg dans l'élite politique là, un paquet moun dans l'élite économique là et comme quoi yo gagne relation à gang, y a financé gang, y a financé insécurité. Donc si nous bien comprendre sous même base ça là, même rap, même régime sanction ça, son bagage cassé faire couvrir ça c'est pour yo calmer opinion publique. Pas rien parce que si même moun ça yo yo te reconnaître y a financé gang, yo en bas sanction et pas grand qui fait niveau insécurité au lieu de c'est augmenter l'augmenter. Donc là, si m'bien comprendre, ou vle faire même population, même moun kap tande nou là, ou comprendre que régime sanction c'est temps perdu États-Unis après régler à Canada là. Non seulement t'as perdu. Si yo t'as fait sanction utile, yo t'as utilisé sanction pour te faire utile. L'étape bon, gagne trois aspects. L'étape gagne aspect moral, l'étape gagne aspect économique, l'étape gagne aspect pénal. Et c'est l'aspect pénal là qui est capable d'aider nous, Madame Yannick. Pour auditeurs, auditeurs, si vous comprenez ça, me le dire. L'un des aspects pénal là, ça me le dit, pendant que vous dites aux présomptions, mais vous tellement retiré nos sous entreprises, vous gagnez, vous mettez nos petits, vous mettez nos madame yo. Là, vous avez l'argent, vous n'avez pas besoin de l'argent, Yannick. Vous n'avez pas besoin de l'argent, oh. Vous n'avez pas saisi l'entreprise. Vous saisissez. Si vous avez l'argent, l'autre bord, l'argent a servi qui est. L'argent a servi pays côté, vous saisissez là. Mais qui ça vous fait pour Haïti? Rien n'a pas fait. Si vous avez travaillé tout bon, eh bien, vous avez travaillé avec institution locale, institution. Et ça nous gagne, même lorsque le clou plus clopin, il a travaillé avec, il a permis la DCPJ gagner ensemble des rapports d'enquête qui ont gagné dans mes et puis il a dit, mes faits, mes véracités, mes authenticités, c'est ça que nous reprochons, mais c'est ça. De ce fait, il a demandé, dans le cadre de coopération avec la police centrale judiciaire, pour mettre action publique, et avec la justice, mettre action publique en mouvement contre Pounzaro. Mais ce n'est pas le cas. Tout le monde qui était bien, il était en train de prendre une sanction contre eux, il a fait une réunion au conseil d'administration, il a dit, mais bon, à partir de jeudi, puisque à plein nom, on même c'est où qui Boulos mettait Sébastien comme responsable d'entreprise, toute entreprise a marché, le propose malade, toute entreprise a marché, il a remetté petit, il a donné, il a retiré non pas, il a mis l'autre monde, et c'est comme ça de façon générale, les fêtes. Ok? Ça veut dire. Tout le monde est à l'école. Et ensuite, il y a deux mondes que les États-Unis, que le Canada connaît implication directe dans la coordination que sont gagnés. Ils ne sont pas attaqués, ils ne sont pas cités, non, vraiment. Ok? Ça veut dire, son façon, ils ont fait pour. Pour la galerie. Bon, moi-même, mal et plus loin. Où est bateau Canada qui sous l'homme maintenant là? Yannick, vous mettez sincèrement, vous mettez quoi dans ce samedi-là? Moi, j'ai l'impression, monsieur, yo inventorié, yo font un travail d'inventaire sous l'homme maintenant. Yo, ouais, le Canada, ouais, nous avons pile poisson que nous n'avons pas bateau pour nous exploiter, c'est poisson que nous exploiter là. Parce que nous n'avons pas de problème sous l'homme, c'est à terre. Nous n'avons pas de problème sous l'homme. C'est poisson qui est venu le soir, la journée, le soir, il y a le pêcher pour le jeune poisson pour le porter Canada par la famille. Non, bon, international, là, bêtise avec Haïti. C'est parce que nous n'avons pas d'autorité. Nous avons un gouvernement là, on pas qu'être corrompu et on mette à faire job zalio. Donc, ils ont profité à manipuler et peuple à manipuler l'opinion. On a intérêt par encore. C'est ça qu'on fait. Deuxièmement, on nous prend un dossier Haïti comme s'il était dans le tribunal. Comment on a un dossier qui est dans la cassation et puis même pendant la cassation, dans le tribunal de paix avec bien compatible. Ça me veut dire par là. Il y a un dossier qui est déjà dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce qu'on pense que CARICOM a des notoriétés, des capacités politiques, des plus fortes que le Conseil de sécurité de l'ONU? Non,
ça c'est pour torturer le Conseil de sécurité de l'ONU pour tomber, pour tourner dans CARICOM. On comprend, Haïti c'est même CARICOM, un problème qui a commencé, CARICOM garde, CARICOM ne veut pas capoter solution, il fait des marches, il fait lobby en tant que pays pays caribéen, il arrive dans l'OEA, il permet de s'arriver dans l'OEA, organisation hémisphérique, il monte, qu'on a OEA t'a estimé, il n'y a pas de bras, mais puisque la situation de sécurité dans le pays, il y a un aspect aujourd'hui, ça a les guerriers arrivés. Guerilla urbain, lui mande pour ta force étrangère si nécessaire, parce que dans le cas pas noir, pourquoi nécessaire, et m'a le doubou qui ça. Ça veut dire, quand il y a dossier qui a sorti dans l'OEA, un de l'Itaval Nations Unies, l'élevé dans les Nations Unies, Assemblée Générale Nations Unies a fait débat, lui transfère le dossier à Kounia, pas devant Conseil de sécurité de l'ONU, parce que nous avons besoin. Vote, non seulement nous avons besoin de vote, nous avons besoin de pays pour monter, et ça, oui, commission, coalition et force internationale là, c'est Conseil de sécurité de l'ONU, de ça. Mais on dossier après près de 5 à 6 résolutions Conseil de sécurité de l'ONU, et puis qu'on y a là, c'est CARICOM, il y a un dossier dans CARICOM, et puis Canada, par honte, l'elfine met avion à l'effet du rond, qu'on y a eu gagné gardé quantité de poisson qui a volé dans la mer, il dit faut ouvrir le bateau, venir pêcher poisson. C'est poisson là qui vient pêcher. Dossier Haïti a fait, il sorti dans l'ordre et croissant, il a fait des croissants, il a sorti dans la grande extension, il descend. Donc nous allons comprendre que. Mais pour passer dans la bêtise. Exactement, il n'y a pas d'intérêt dans Haïti là, il n'y a pas aucun intérêt pour Haïti gagner stabilité, parce que si Haïti est stable, si Haïti gagne sécurité, c'est comme si grand pays ça n'a pas de raison d'être. Laisse-moi te dire encore. Monsieur dit il a cherché ou gagné. Gouvernement criminel qui dans ce pays a dit yo fait demande force multinationale pour venir bailler au coup de main dans sécurité pays a. Comprenez-moi bien Yannick. Nous avons l'armée que président Jovenel t'a remobilisé qui gagne près de 2000 hommes. Mais avant l'armée président Jovenel l'armée ça dans ancien militaire. Il y aurait censé 300 à 400 militaires qui étaient pris en formation dans sa relais guerrier urbain. Monsieur Tayo, il dit qu'il n'y a pas besoin de chat. Il y a seulement besoin de matériel parce qu'il dit que les gens qui sont en face, abandi, quand ils prennent la paix, il n'y a pas de chat. Ça veut dire, yo même, yo apprendre, yo faire formation, yo conserver les pénétrations, de y aller bien, comment rentrer dans ces pour éviter et ça relais. Gros pète collatéral. A toujours gen pète collatéral. Mais, gros pète. Ça veut dire, moi-même, bab bon menti, si nous sommes moun qui gen responsabilité, moun respecte tête, hein? Si nous gen 500 000 moun qui bloqué, qui en otage, c'est 200 moun, c'est 300 moun qui prennent en otage, bab gen problème, vous tuez 200 à 300 moun pour 1000 moun. Ah. Très bagarre sorti de là. Voilà que, le président Jovenel Moïse te dit, après, il y a fin tout, il y a 5 swap dans le village là, qui c'est révoltant, parce que je vous dis à même si moun, petit swap ça, probablement même l'école, il n'y a pas allé. Parce que pas de personne, après assassinat, ça, personne ne va demander ça ou tout pour vendre. Le président Jovenel Moïse s'est dit, il va mettre l'armée dans le yo. Mais qui a l'armée le c'est monsieur Saoul qui est recruté pour la mettre la paix. Où est-ce qui ça, président fait? Président, fait commande ZAM dans le pays Colombie. Pour te amener matériel, munitions, pour te permettre de te tout faire dans l'air pour la situation niveau bandit ça prend pour ne pas prendre. Est-ce que vous connaissez l'ambassade américaine à travers le département d'État fait injonction à Colombie pour remettre l'État haïtien chèque là? Vous faites remettre l'État haïtien chèque là? Problème ambassade américaine, ça, faut que nous poser vraiment parce que nous, il y a mis des restrictions, il y a fait une injonction pour nous pas armer l'armée, nous, pour nous pas armer militaire. Nous, qui bagaille ça? Bon, je finis par où? Deuxièmement, vous venez, le président USA, président passé qu'on a à travers Taïwan. Il faut demander dans Taïwan, qu'on a là, voyez, on sait des jeeps matériels, des armes pour. Te bay la mia. Eh bien, ambassade la fait
ambassade a fait pression sous Doméville, qui était ministre de France, les Sahara. Sans président Jovenel Moïse, pas au moins, il fait pression, il fait remettre la police, machine yo, à tout matériel, yo, et machine, sous tes gros machines tête, un gros tête, t'as coup armé, qu'on y a pourri, il y a pourri dans la direction générale de la police, alors que il a parlé de l'armée pour l'armée à mettre l'autre dans le pays. Pourtant, il dit, pour l'origine avec l'armée, qui l'armée pour aller chercher? C'est l'armée Colombie, c'est l'armée Mexique, c'est l'armée Équateur. Qui côté militaire, ça, un nouveau militaire nous gagne formé, c'est des militaires qui ont une formation qui formé en Équateur. C'est des militaires qui formé du côté Colombie. C'est des militaires qui ont une formation du côté Mexique. C'est des militaires qui ont une formation dehors que vous avez là. Or, si vous allez chercher, si vous allez chercher force multinationale, alors que ces pays ça qui a composé force multinationale là, ils même déjà préparé l'armée ça à nous. Nous dit, en 1994, les États-Unis étaient débarqués en Haïti. La menace de matériel qui était évalué à 1,3 milliard de dollars. Pas de 1 milliard de dollars, mais Yannick, au moins, sous effectivement, ouvrir mettre la paix. Parce que, on ne peut pas apprendre à pêcher comme on pêche tout. C'est pareil, mais Raymond, c'est mon qui apprend à pêcher, qui met vraiment, même elle pas là, ou à pêcher pour tout. Nations Unies, les États-Unis, ils ont fait près de 11 interventions en Haïti. Nous pas votre résultat. Eh bien, je vous dis, si vous avez un matériel pour 1 milliard 300 millions de dollars, même, je ne vais pas demander 1 milliard. Mais au moins, bon matériel, bon, okay, même pas 300 millions, mais bon matériel même pour 100 millions. Dans sa m'gena mèo. Et pour m'a mando, non? Dans sa m'gena mèo. Dans sa te débat qu'on prend là, ou l'on crée la même, non? Bon matériel pour toi, bon matériel pour 100 millions, pour m'capable préparer la même gè là, restituer la police là, bayo matériel, bayo encadrement. Maintenant, m'a pour un tax force avec l'armée police là, même une opération, si après toute opération, m'est-ce estimé, m'a pas pour tes résultats, à partir de là, ou a dit, ou a bon aide militaire, pas vrai? Oui, tout à fait. Mais. Permettez-moi d'utiliser Samgéen. Permettez-moi d'essayer Samgéen. Il n'y a pas de vrai. La France, le Canada, pas vrai. Quand il y a même une bateau là, la pêche poisson dans la mer, la fouille tout ça nous gagne. C'est comme si on a un monde, ou un voisinage, il propose avec vous, et puis pourtant, c'est fait élever l'entrée, la fouille malette ou la fouille caillou pour le voler son gain. C'est la situation, ça nous est là. Mais quand il y a, d'après vous-même, qui ça qui barrage, qui ça qui blocage, refus systématique ça qui gagne par vos côtés États-Unis, qui parle tant de parler de l'homme, et gagne échange d'affaires ailleurs, ambassade américaine, Eric Sommarin, nous sommes déjà intervenu dans une émission dans la métropole, lui-même de manière catégorique, il a posé la question sur l'armée d'Haïti, puisque il reconnaît Haïti a une seule force, c'est PNH. Je ne sais pas qui justifie ça, d'après vous-même. Mais ça fait mode de déclaration ça. Président Jovenel a tapé fort en face, il a injecté l'argent, et il a mis toute catégorie dans la rue, si Jovenel parle, il a mouru. Il y a des gens qui ont couru, c'est vivre, et qui ont couru dans le paradis. Ok? Parce que Jovenel a mis dans l'enfer. Ok? Les États-Unis pas pour. La, et pas que pour me livrer la même, assurer pas la même. Parce que la question de l'armée, la question de défense nationale, c'est une question de souveraineté qu'il y a. Ok? Il y a beaucoup de gens qui ont accroché avec la police, parce que la police n'est pas là pour garantir ça, la sécurité de la défense nationale. Même la Bible dit, Yannick, il dit, le tête, il n'y a pas jamais dit la police des armées. Ils ont dit l'éternel des armées. Ils ont pays qui pas gagné l'armée, sont un pays qui a appelé à disparaître. Son pays, c'est comme si on voit la cour, ou voit la cour pas gagné nuit, pas gagné barrière. C'est comme si bouchou pas gagné dandan. Les mouns n'a pas gardé ça, si vous, c'est lui, après vous. Un flou bop. Ok? Ça veut dire qui ça? Par rapport aux petites ressources que nous gagnons sous sol, non? Les États-Unis, dans le pouvoir discrétionnaire qu'ils gagnent, dans le pouvoir gagnent, les décréter, ça nous gagne comme ressources sous-sol, non, c'est réservé. Or, si c'est la police pas combattant, hein, la police pas de territoire, pas dans le sous-sol, la police pas dans le mine intérêt, pas dans le gaz, pas dans le 8 journées. Non, la police pas là pour ça, ça veut dire la police pas nuit. Mais
automatiquement, on restaure l'armée. Surtout Haïti, son pays qui est créé par l'armée, c'est l'armée qui va être payée, non? Eh bien, yo, chaque fois que l'armée, ils ont peur par rapport avec, on connaît comment l'armée d'Haïti écrit, trois d'Haïti, dans le cadre de sa relève, bataille contre l'esclavage. Ça veut dire que c'est venger, à venger l'armée pour calquer l'armée à te bailler blanc. Parce que blanc est solide entre eux. C'est la solidarité avec la France, les États-Unis gagnent, qui fait le double par l'armée. Chaque fois que l'armée, ils ont songé à l'armée indigène dans tes frères. C'est sous base ça. Mais t'as comme dit, et je dis à Sénabgade, toute bataille, les États-Unis ont mené en Ukraine, l'Imdou, la défense, intégrité, indépendance, territoire ukrainien. Pas vrai? Tout à fait. Alors que moi-même, je ne suis pas d'accord pour moi-même, pour une institution qui garantit indépendance et intégrité du territoire, pas? Pour les États-Unis, nous ne pouvons pas subir agression, pays voisin. Pour les pays voisins, nous ne pouvons pas agresser nous tellement, donc nous ne pouvons pas dans la mer. C'est ça qui explique. Ils mettent ensemble avec oligarques corrompus en Haïti, ils assassinent Jovenel Moïse. Parce que Jovenel, pendant qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas ici, Jovenel Moïse prend l'armée, prend un jeune garçon, une jeune femme, la voulait former en Équateur, lui prend la voulait former en Colombie, lui prend la voulait former au Mexique. Eh bien, ils ont dit, puisque oligarques corrompus, apatride que nous gagnons, l'équipe qui n'a pas été dans ce pays, qui sait seulement exploiter l'argent, vient faire l'argent, vous y à l'étranger, eh bien, c'est sous base ça qui fait la CIA pour aller mettre ensemble, vous voyez l'assassinat Jovenel Moïse. C'est parce que Jovenel Moïse te voulait faire des actes, poser des actes de souveraineté, te voulait poser des actions qui dit, en ce qui a trait à question sécurité, étranger pas qui doit payer sécurité, étranger pas qui doit payer police, moi. Et puis, je ne sais pas payer la même. Parce que c'est une action de souveraineté qui est liée. Parce que automatiquement, c'est lui qui a payé, c'est lui qui a fait formation, qui finance commande. Exactement. Ou pas, ouais. Il n'y a pas assez l'homme. Qui ça fait la police? Où est la police sacrée là? C'est parce que, quelque part, au niveau international, il y a une police à mission pour le faire profil bas, pour capable justifier qu'il n'y a pas aucune institution qui arrive pour la situation là, pour justifier l'intervention. Pour permettre de venir. C'est pour la police créer espace pour qu'on vienne. Et c'est dans ça que nous prenons là. Et quand tu proverbe, on dit qu'il y a un grand pile de mourir dans le poteau, et ça qui a privé PNH là, oui. Trop mettre trop, on va prendre trop influence. Et ça vient montrer que on manque d'intérêt, on manque de volonté, tout par rapport côté autorité. Mais quand l'autre considération, moi, pas fait sous question de l'armée, et moi, en pile historien écrit sur ça, et je parle de question coup d'état en pile. Non, attendez, qu'est-ce que coup d'État? Vous pas qu'être historien qui a écrit des bagailles, fallacieuses des bagailles, et c'est après ou pas rien compte que vous avez menti. Vous comprenez, Amédou? Parce que le troisième, deuxième ordre mondial, ou bien, bah, le troisième ordre mondial, ils n'ont pas besoin de l'armée, ou ils ont utilisé les droits humains. Ils ont utilisé les droits humains, partis politiques, structure la presse, et ils ont infiltré réactionnaire en de structure ça. Qui vient plus dangereux qu'un coup d'État, parce que un coup d'État, que l'armée, parce que l'armée fait combien de coups d'État et pas tuer le président. Mais utiliser la justice, société civile, l'organisation de droits humains là, la police, ils font coup d'État et tuer le président. Nous avons bien pour nous arriver là ou anticiper sur moi. Parce que je ne dis pas l'assassinat président Jovenel Moïse, pas de question là, mais la donne. Nous, c'est société civile, c'est acteur politique, c'est acteur judiciaire, c'est moun sa yo non absite, c'est moun sa yo qui gagne implication, moun qui n'a pas de privé. C'est pasteur à parité, c'est pasteur à parité, c'est prêtre à parité dans la question munitions balle. Ça veut dire, c'est pas militaire ou kembe la donné. Ça veut dire pour moun, ok, c'est vrai que tu as un coup d'État, tu as fait un coup d'État, mais. Mais vous avez fait un coup d'État, elle n'a pas besoin de l'armée, elle a pris l'autre bras. C'est comme si vous avez un van, et puis vous avez de l'eau, ou vous avez fait un van, et puis vous tombez à casser le couture, ou vous avez sur la tête, sans pas faire un van. C'est que van, côté que tu as produit une stabilité, tu as produit une sécurité dans le pays, ce n'est pas vraiment l'armée, mais c'est le pays qui, soi-disant, 10 ans, mais nous.
Je ne j'en dis en là, m'a rappelé tout le monde qui a regardé, invité nous aujourd'hui dans l'espace Libre Opinion, c'est Monsieur Rosemond Jean. On a continué à parler sur la situation pays, on a continué et débat sur l'insécurité, sur l'instabilité politique qui est là. Rosemond Jean, nous, ouais, ULCC, sorti et plusieurs rapports. Côté ah, allez, oui, allez, oui. Allez, bon, faire remarque ça pour nous connaître. Si même vous voir ça, pour voir réactionner, pouvoir ça, c'est qui fédération assassin sac là. Si jamais il te gagne un minimum de volonté pour te permettre de façon graduellement sécurité tourner, il y a des éléments, il y a des moyens de faire. Vous comprenez comment il a fait, Yannick? Dans nos détails. Un, il a décrété la situation, face à la situation nous là, il a décrété l'état d'urgence de sécurité. Ou quoi, action yon tap fè, yon tap pre l'armée qui est là. Yon tap mette avec policiers, yon tap fè sa relie de tax force. Depuis ces institutions qui gen agent de sécurité, qui prend formation militaire, qui prend formation militaire, si yon tap dit effectif l'armée, la police nous gen la passe, yon dit nous gon urgence, nous gon van pour nous sécher, nous gon van, nous gon problème, on urgence pour nous traiter là. Parce que si pas de sécurité, pas de stabilité. Depuis pas de stabilité, pas de économie, pas de investissement, pas de la vie. Or, nous-mêmes, ça veut dire tout le monde met des mains. Si on saute Pétionville, avant pour arriver à Delma 60, on tape même 5 à 10 fouilles misclées. Tout périmètre, toute zone axe qui peut permettre de rentrer dans la ville là, dans cette ville là, il n'y a pas mettre un ensemble de commandos solides, quelle que soit la machine qui a fouillé. Une opération de fouille de façon musclée qu'on y a bandit pour sortir d'une faire kidnapping. C'est pas 20, 30, 40 qui sortit, c'est 3, 4 qui nos machines. Ou d'accord même? Oui. Eh bien. Plusieurs même, dans plusieurs machines. Si on peut pas faire opération pour m'entraîner dans le village, mais qu'on route qui mène dans le village. Et tout route qui mène dans le village, de village, de ravine, etc., on fait un cordon de sécurité taille côté m'a fouillé le monde 24 sur 24. Eh bien, si les gars sortent, viennent kidnapper, ou pas quoi, la font réfléchir 7 fois 70, 7 fois avant de sortir, parce qu'ils connaissent, depuis le sortir, la font fouille. Si passe dans le premier fouille, ils ne prennent pas, ils prennent dans le deuxième. Si passe dans le deuxième, ils ne prennent pas, ils prennent dans le troisième. Ils passent dans, ça veut dire, ou décourager, ou on campagne de découragement totalement contre le bandit. Mais, moi, je me dis un bagage. Je suis sous président Jovenel Moïse, tu es un ancien ministre de justice, Luc Mandelil. Mais Luc Mandelil, le ça, gouvernement a décrété l'état d'urgence. Il a été pris disposition et comme si il a isolé bicentenaire là, il a fermé, il a mis des conteneurs, il a barré le périmètre de l'agent. Kidnapping, oui. Il n'a pas fait. Il a dit qu'il a crié, il a demandé pardon. Mais, à bon titan, c'est retenu, ouais, qu'on était ne levé et tout. Non, c'est jout. C'est pour nous dire, c'est pour nous pas dire retenu. C'était jout Joseph qui estimait qu'il a ses amis, donc on te dit qu'il a pris ses amis, il dit pas qu'il doit perdre un bandit, il pas qu'il doit perdre un bandit, et personne ne va empêcher le parler à bandit, parce que téléphone n'est pas l'état qui a acheté le bali, et puis il fait pression, et il fait révoquer l'Ikman de l'île, et puis il retire ses séparateurs, et puis il permet qu'on ait soit fonctionné, rentre l'argent, rentre le corps, jusqu'à ce qu'il aboutisse. À ça nous connaît aujourd'hui. Il faut nous écrire pour l'histoire, pour la vérité, pour nous connaître. C'est Jude Joseph qui te fait ça. Donc, je ne veux dire là, nous. Ka... Ouais, mais bagaille là. Complicité, autorité avec gang, non, c'est pas un bagaille qui date de hier, c'est pas un bagaille qui avertit, c'est pas un bagaille qui joue hier. Mais nous, ouais, pas de justice dans le pays. La justice pas fait travail. Le gagne ensemble des formations, ça y est. Sous identité, sous action, autorité, relation, yon gen avec bandit, faut gagner des dispositions qui prend. Parce que si pas un exemple qui trace, Rosemond Jean, qui paye une affaire? Attention, pour la justice ça fonctionner, nous pas gagner ça avec le procureur de la République, Yannick. Nous gagner commissaire gouvernement, côté ses pouvoirs, ses fédérations assassins qui nous mêlent, ni esclaves, ni retavel. C'est lui pour mettre action publique en mouvement. Contre qui nous parle? Est-ce que vous pouvez mettre action publique en mouvement? Contre patron, contre boss? Il n'y a pas fait. Même dans le rêve, il n'y a pas fait.
Ça veut dire, c'est nous-mêmes qu'on y a là, et c'est, comme dit, c'est bataille d'opinion, c'est sensibilisation, conscientisation que vous faites pour permettre que, au fur et à mesure, le peuple a repris, parce que qu'on y a peuple a vu le monde, peuple a aussi, j'en monte tout. Puis, ouais, ça a été fait de Jovenel Moïse, après tout effort Jovenel Moïse t'a fait pour te changer condition la vie, eh bien, il t'a quitté au mené, peut-être, il t'a quitté André Michel Ménéry, je dis à ma brade André Michel, il y a 4, 5, 6, 7, sécurité, personne ne va m'en dire, mais qui missionne, qui attributionne, qui fonctionne comme dans l'État, qui fait moi-même pouvoir payer 7 à 8 policiers qui garantissent sécurité André Michel. Personne ne va m'en dire ça. Bagay ça, nous ne pouvons pas comprendre le phénomène ça. Elle toujours dit. Personne ne va m'en dire ça. Elle toujours dit le cas où il n'y a fonction par rien dans l'État. Voilà. Personne ne va m'en dire Edmond Siblis Bozil. Mais qui possède? Qui ministre? Qui est-ce? Qui fait ou ligue 4, 5, 6, 7, 8 sécurité? Ah, pas de problème. Si c'est mon engagé, compagnie sécurité, une balle sécurité, on l'a mais quand la police nationale, dit mot, à sécurité, alors que la population même, l'école pas à fonctionner, devant l'école, il y a kidnappé Timounio, la police nationale va là. Regardez ça qui passe devant Sacré-Cœur, regardez ça qui passe devant Saint-Jean sur Tijon, regardez ça qui passe dans la cité d'Elma, ça qui passe Belle, ça qui passe Solino, ça qui mais côté police, côté là, côté là, mais nous payons taxes, mais ça ne pas sensibiliser personne monde. Ça ne pas dire personne monde rien, parce que ce n'est pas Grenègue. On va comprendre, on gagne qui quitte ou vient kidnapper ou gagne l'argent dans nous, ou va prendre 5, 6, 7, 8 sécurité pour garantir sécurité. Mais, on sa yo, l'école yo, lycée yo, là où kidnapper yo, ça va dire personne mon aïe, Yannick. Ça veut dire, je dis à nous, nos situations, côté, nous l'a dit pour personne, je dis à, ou pas joindre. Organisation de droits humains qui a produit un rapport sur le massacre qui a fait tout. Je veux dire, ou pas joindre et Kim Kino descend avec Atis, une ambassade pour faire manifestation chaque dimanche contre l'insécurité. C'est comme si nous n'avons pas d'insécurité encore, nous n'avons pas de chômage encore, nous n'avons pas de. C'est à la manière, c'est un coup la France, c'est un coup la France, c'est un, bon, bah même dit la France, parce que la France est manifestation chaque jour. Et c'est comme si c'est la Norvège, nous y est, la Suisse, c'est la Suisse, nous y est, je dis. Vous et heureusement, nous allons fermer et parenthèse insécurité. Moi-même, honnêtement, je dis que. Je dis à la, dans le niveau pays arrivé, nous ne pouvons pas parler de pire moment. Nous ne pouvons pas parler de pire moment parce que chaque jour, à chaque fois nous confrontons avec la réalité, avec l'insécurité, avec le niveau de violence, nous toujours avons tendance à dire, dernier niveau. Et le lendemain, nous avons des choses qui sont pires. Bandi a rentré dans l'école, kidnappé les gens, m'a regardé des photos qui arrivent dans le Sacré-Cœur, si nous sommes obligés de mettre des casques dans la tête. Oui. Pour Green Balma, on pas vin prendre yo. Donc, ça yo, c'est des réalités dans la ville, c'est des yo fait rentrer dans le quotidien. Le gouvernement fait insécurité à rentrer dans le quotidien population. Ah, c'est pas une insécurité. C'est pas insécurité parce que c'est mon qui blogou. C'est pas insécurité mon qui blogou. Son bagay planifié. Pas oublié. Depuis 2002, 2003. Le corps groupe t'a travaillé, le Canada, pas le corps groupe. Le Canada travaille la CAILIC pour mettre camper le corps groupe. Corps groupe là t'est monté avec objectif pour mettre Haïti sous protectorat l'étranger. Depuis en 2002-2003, ça m'a parlé là. Et ces missions, ces programmes là, ces projets qu'a pas accompli là, Yannick. Faut nous comprendre ça. Faut nous dénoncer ça. Faut nous continuer à l'histoire pour nous garder côté corps groupe renaissance. Pour qui ça corps groupe renaissance? Pour qui ça c'est celle en Haïti qui a un syndicat malfaiteur qui regroupe ensemble de pays, qui va être un ensemble d'ambassadeurs, qui va être un corps groupe qui a droit d'ingérence sous pays? Et je dis à ce Canada ça là, qui vient avec avion proposé à voler, Canada ça, qui a voulu près de 50 chats en Ukraine, gratis, alors que nous nous commandons 18 numéros pour 12 millions de dollars, ils parlent livré, où est-ce à livrer et comment livrer, où est-ce à le bail et où est comment la livrer. Pour l'argent, nous n'achetons pas, oui. C'est pas cadeau, nous, pour l'argent, oui.
Et puis, je dis à ce bateau qui sous la mer là, qui a montré qu'il est de bonne foi, qui a montré, ça veut dire, son situation, que nous besoin du monde, des interlocuteurs valables, des interlocuteurs compétents, des interlocuteurs politiquement conscients, techniquement compétents, qui pour arriver. Répondre à besoin. Répondre à besoin et questionner la communauté internationale. Là. Oui, nous avons besoin de coopération avec l'international, mais mode de coopération, ça, nous avons besoin d'interlocuteurs qui mettent en question, qui diagnostiquent, qui analysent, et puis qui disent, mais cette coopération diplomatique vous fait avec la République dominicaine, pour qu'ils aillent pas nous faire ça vous fait avec la Chine, pour qu'ils aillent pas nous faire ça vous fait avec la France, pour qu'ils aient une diplomatie spéciale. Il y a des qui ont une diplomatie à pas appliquer en Haïti qui est spéciale à Haïtien. Relation met esclave. Bah, ils n'ont jamais fini. Ils n'ont pas fini. Avait dit, je dis à nous besoin des hommes et des femmes capables pour poser problème ça avec la communauté internationale là. Pour oui, nous voulons un bon voisin, mais pour bon, il faut qu'on mette dans la situation, moi-même, il faut qu'on reconnaisse que c'est le monde pour vivre dans le monde. Et bon, question insécurité. Nous t'apprends le monde de Rose Monjean. C'est qui ça? Qui ça nous a fait? Qui ça aujourd'hui en là, gouvernement supposé faire censé faire pour arriver à rétablir le plus rapidement possible sécurité en dedans pays? Premièrement, il y a 300 à 400 militaires dans l'ancienne armée qui ont pris formation en guérilla urbain, qui ont formation pour ça, qui ont capacité dans 3 à 6 mois pour rétablir la paix dans tout pays là. D'ailleurs, il y a le pilon. Je dis, bon, dans chaque Canada, vous voyez, il y a trois, vous même, il y a modifié, il y a mis dans la force par vous. Et puis, vous même, il y a fait pénétration. Il y a fait pénétration dans le quartier, et puis la police a fait que vous avez un cap qui est sorti pour la police mettre pensé. Vous ne pas demander ça, vous ne pas demander rien. Nous demandons pour que vous engagez la meilleure pour mettre, pour rétablir. Si vous demandez pour des militaires étrangers, essayez la meilleure pas nous. Mais l'armée n'est pas nous arrivé au cours de route. S'il n'est pas capable, nous demandons à l'étranger de venir nous mettre. Mais essayez pas maintenant. C'est ça nous est là. Ça c'est une. Deuxièmement, c'est pour la police. L'armée, la police, t'as rentré dans sa relais. Une patrouille de fouilles musclées. Pendant un mois à 6 mois, Yannick. Ça veut dire, c'est comme si nous, nos situations, nous couvrons d'état de siège. À siéger le pays et périmètre côté Mandioukra et Aptaï Bandayo. À partir de là, Mandioukra qui sentit maintenant tout côté, pas carité grand goût, on est capable de commencer à contrôler périmètre ou ensemble de périmètres ou ensemble de zones. Mais si ce n'est pas ça, d'un coup, tout policier se alcampé dans l'immigration, dans l'intérieur, à chercher côté pour rejoindre, pour aller à Biden. Et puis, le gouvernement lui-même, il n'a pas d'intérêt à mettre la paix. Parce que lui, si la stabilité tourne, si la paix tourne, il est obligé de faire la brève de pouvoir parce qu'il connaît Yannick. Si on fait élection, il a perdu l'élection. C'est seulement dans la transition et puis on fait trop bien mettre dehors. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt dans l'élection. Il n'y a pas d'intérêt pour la stabilité. Ou qui ça? Parce que depuis que la stabilité, les gens qui ont manifesté, Forjac, la boule, qui a besoin de progrès, eh bien, il y a bien le gouvernement problème. C'est ça que fait. Ou si ma carte prend la boule, et Victor en prend ton sel, ils ont pris village de Dieu, quoi des bouquets sans jour, mais tout ça, il n'y a pas nuit le gouvernement vraiment. Insécurité à l'ingé causel, c'est crime d'état. L'ingé causel, parce que lui permet aucune activité politique populaire pas qu'à faire. Ou pas qu'à grounia, ou un gouvernement, la fait exprès, la bouffe, parti politique, élection, qu'on y a ces partis politiques qui a pris l'idée ou qui a pris l'école derrière. Vous comprenez? Ça me dit, nous pas qu'à l'élection en condition ça. Mais tout autant a dit ça, lui-même, la pénurie de pouvoir. S'il t'a passé un an, on a fait 2 ans. S'il a fait 2 ans, il a fait 3 ans. Parce que le leader politique parle dans l'élection pour être bandit. Et puis, si bandit a fait affaire, dis-moi, on va le combattre, on bandit qui permet moins qu'il y ait du pouvoir. Vous comprenez la logique là? Pas oublier, l'homme d'eau lui-même,
c'est avec zam sou pression, zam yo, c'est sous sang pour voir ça monter. Gardez chaque opération propose mener contre vite l'homme, gardez comment le finit. Mais vite l'homme, ça a tout. Li fait qu'on est lui-même, il a participé dans Chavir. Bon, nous, quand même, dit dans l'assassinat président Jovenel Moïse, parce que mettez quand même fantôme 609, c'est était déterminant dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Tout ça, là dedans. Non, mais il dit déjà. Mais oui. Au moins, ça fait moi, je fais foi à ça, Libna, Yannick. Moi, je fais foi pour auditer, auditrice, comprendre ça que je fais foi dans la salle. Un, nous te connaissons, nous te connaissons, nous connaissons dans la réunion ensemble avec André Michel, Ronny Colin, Nenel Kassi, la composition de l'époque. À l'époque, ok? Parce que c'est à partir de eux-mêmes. Ils ont commencé à m'éviter l'homme pour permettre que ton seul route soit bloqué. OK? Maintenant, ça qui est important dans ça, monsieur, dit, et vous voulez retenir, vous voulez comprendre le sens, ça me dit là. La police a arrêté un bandit. Pas vrai? Vous voulez le présumé assassin. Ils ont pris, il y a le DCPJ, il y a le fait qui ça? C'est pas interrogé à l'interrogé? Oui, l'interrogatoire. L'interrogatoire. L'interrogatoire, c'est pour le cabaye qui moun qui avèl, qui moun qui compte financer, l'envole qui moun pote le bail, qui est-ce qui compte voler avèl, est-ce que laisse à la police pas sauter à chercher moun sa yo? Principe, tout à fait. Eh bien, vite l'homme dit qui moun qui te avèl, publiquement, ou c'est moun yok chef, qui sont pas ce qu'a fait? Ah, y'a pas fait, bon, c'est eux même qui ont timon des affaires. Si on tape foubaï, si c'est non pays tant que les États-Unis, eh bien, on tape la police en branle, le premier ministre tape déjà de fonctionner, tape de l'autre moun cité, on tape tout considéré comme des présumés assassins, n'est-ce pas? Oui. Mais je dis à ces yuk chef, oui, c'est yuk nommé ministre, c'est yuk nommé premier ministre, c'est yuk ministre de l'Intérieur, c'est yuk qui. Après réunion avec l'ambassade, c'est yo, je veux dire, moi-même, et Haïti, je veux dire, a dirigé par une fédération assassin, ça veut dire, je connais de qui ça m'a parlé. Et qui perception y a de ACT au Conseil de transition qui mettait copé à? Non, c'est un mouvement. Ariel Henry a eu de bons rapports préalablement. Depuis le conseil sage avec Madame Maniga, André Michel était candidat sous même bannière RDNP. Ils ont bien estimé qu'il faut que je joue un discours. Parce que Ariel Henry vient trouver une situation, le gouvernement vient tant qu'il y a un malade qui a déshydraté. Ou qu'on est malade, qui a mal de l'eau, qui n'a pas ça. Ils ont couru, ils ont dit qu'il y a un connecteur sérum pour lui. Ils ont pris HTCA comme un sérum pour revitaliser un gouvernement qui a déshydraté, qui n'a pas fait élection, qui n'a pas fait sécurité, qui n'a pas mis sécurité dans le pays, qui n'a pas permis stabilité tourner, et puis il y a un côté qui va aller jouer un côté pour aller un gros soulèvement. Il dit ok, il te prend un libre sur le football là fini. Il dit ok, puisque le football là fini, qui est le 04? Il dit à quoi on s'est commencé. Déshydraté, comment c'est fini, comment c'est pas gagné, yon commence à proposer lever contre l'autre. Kounia dit bon, il faut qu'elle nomme trois autres conseillers. Faut qu'on l'alternative. Faut venir en alternative. Qui alternative vini? Eric Jean-Baptiste est dans toute réunion, ça, mais il était opposé. Ou va loin, il a assassiné Eric Jean-Baptiste. Ou va loin dans l'installation HTCA, ou après Madame Milan Maniga, pas même près une minute de recueillement. Dans la mémoire, président, secrétaire général, parti politique. Li. Il n'y a pas même temps d'enterrement fait, ouais, Ariel Henry, depuis l'enterrement, dans le VIA, soit le garde du ou après côté, il a planifié le gouvernement. Ça veut dire, on va comprendre que Jean-Baptiste, il n'y a pas de cas contourné, il a enlevé. OK? On y a là, si effectivement, c'était l'ensemble de la classe politique, la société civile, ça qui a des accords, ensemble, qui te jouent encore, c'est comme si on a dit, voilà que moi-même,
Et en tant que jovenelien, qui a bataille pour demander justice pour Jovenel, nous avons ensemble de monde, partis politiques qui ont regroupé. Ok? Nous-mêmes, nous avons un bon monde qui a demandé justice pour Jovenel. Et puis, l'autre bord, c'est l'autre bord qui a participé à l'assassinat de Jovenel Moïse. Sous deux, l'on met deux mondes ensemble, on a un désaccord total, ou là même, on a, à travers des accords, ça, nous venons un accord. C'est deux belligérants qui font accord. Parce que, ils n'ont pas d'accord, l'autre, ils viennent d'accord. Pourtant, moun sa yo, du accord 21 décembre, c'est de, pour moi, c'est pas un accord, c'est une résolution, ils prennent une résolution, ils campent, HTCA. Mais ils viennent camper pour qui ça? C'est pour être capable de bailler madame Lalime, moyen, politique, pour la défendre devant le Conseil de sécurité de l'ONU, parce qu'il y a des grandes réunions qu'a fait, qu'on y a pour le dire bon, mais messieurs, dames, ils ont joué entente, ils ont joué accord, ils ont été campés, ils ont eu une commission de transition. On a ou pas qui ça fait, et puis au prend de Michel, il voit l'ambassade dominicain à parler avec l'ambassadeur dominicain pour l'ambassadeur dominicain à parler avec Abinader pour qu'il y a pour Abinader à faire promotion pour intervention. André Michel, faut pour l'Union européenne te reconnaître à 21 décembre, non, ou une grande délégation Rika Pierre et André Michel de tout ça, il voit à parler avec l'ambassadeur français en Haïti, on y a cet ambassadeur français en Haïti, qui peut faire promotion bon côté Union européenne, pour dire Union européenne, pour Union européenne dire qu'on souffre, qu'on bagaille, parce que on nous joue une recommission de transition. Mais si c'était une recommission de transition, Jean Sadi, dans le thème, dans la nature, dans le contenu, et madame Yannick, comprenez-moi, c'est pas dans le ministère, mais c'est pas une commission, machin, nous faisons une commission, en transition, c'est dans le parallèle d'après le CG, il y a des préchéances sous Ariel. C'est la commission de transition hein, qui a pris une décision, bah, Ariel exécuté. C'est pas Ariel qui a pris une décision, bah, commission exécuté. Commission n'a pas de pouvoir. Non, il n'y a pas aucun pouvoir. D'ailleurs, pour le pas de pouvoir, non seulement le pas de pouvoir, mais tout est caractéristique. Il y a un emploi pour l'IA. Espace côté au mettez là, sur espace côté pour faire comprendre qu'il ban est. C'est dans le ministère commerce, son commission commerce. Avec le ministère choisi trois nouveaux, trois autres conseillers, mais c'est ça qui est grave dans la question. Hein. Il choisit trois conseillers, mais c'est lui-même qui a conseillé au conseil. Il y a une différence. On choisit conseiller pour bon conseil, pas vrai? Alors que M. Ariel choisit trois nouveaux conseillers, lui-même pour bailler au conseil. Pour qu'on a parlé de recommission de transition, pas gagné, pas de commission de transition. Commission de transition, c'est comme si on dit, c'est toi président qui ont une commission présidentielle, et puis il y a préférence, qui a une commande, et puis qui a pris un décret, qui a passé maintenant au gouvernement, qui a décidé de changer le gouvernement, qui a pris un ensemble de décisions d'État. Comprenez? Contre commission de transition, toute décision qui est pour le point Yannick, c'est des décisions d'État. Qui pour orienter le pays, sous question sécurité, sous question référendum, sous question constitution, et puis sous une nouvelle orientation qu'il y a bail pour permettre la stabilité, la paix, sécurité tourner. Alors ce qui n'est pas le cas, le même côté dans le ministère comme ça, c'est quand il y a une fin de condition, il y a le bail, et puis le même qu'on y a là pour exécuter. Donc pour même personnellement, au conseil de transition, c'est. Son alternative que le gouvernement mettait en place pour faire passer, pour montrer que il y a non, travail, pour l'opinion, mais pour l'opinion. Pour l'opinion. Ça veut dire, c'est les gens qui sont très forts, ils ont des moyens comme dans les gens, ils ont mis tout le bagaille. Ils ont mis à parler de commission de transition, alors ce qui n'est pas vrai, pas de commission de transition. Il faut parler d'insécurité, alors ce qui est parlementaire de sécurité. Il faut parler d'élection, et puis même qu'on a parlé pas de conditions pour l'élection. Est-ce qu'on est pas quoi? Yo fait c'est nous même qu'on y a qu'à projeter principe yo qu'on y a yo montrer nous y a proposé nous et puis c'est nous même qu'à projeter et nous qu'à projeter c'est nous pas vrai. Et puis qu'on y a là puis devant il va demander pour qu'on l'autre commission qui vient encore pour mettre nos chita allez pour y remettre nos chita là où vini ou après son président Jovenel il n'a pas de chita personne monde mais qu'on y a te mettre vous et le chien ou mettre Montana de tout pour la genou. C'est Jovenel qui était problème là. C'était président. C'est Jovenel qui était problème là parce que Jovenel était venu
poser de problèmes que personne n'a pas posé, parce que Jovenel vient de parler de ça, les oubliés de la République. Jovenel vient de parler de comment pour un homme à 12 millions de dollars américains chaque mois et puis le pas de service pour lui. Comment pour chaque cargaison gaz-unis, pour un petit groupe Netflix, a bénéficié 42 millions de dollars chaque cargaison gaz qui profite, qui était capable de faire route pour la population. Comment pour un homme de Jocelyn Brulé monter pour signer un contrat 5 milliards 800 millions de dollars bail la famille Clinton pour gagoter dans un petit pays qui n'a pas d'école, qui n'a pas de route, qui n'a pas de l'eau, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas de travail. Et puis, dans, depuis qu'on parle, on dit Haïti, pays qui est plus pauvre dans l'Amérique. Là. Donc, c'est au profit d'un petit groupe. Voilà, c'est ça que fait. Comment pour accepter pour Jovenel Vinla, pour Jovenel Coupé, Yannick, 23 000 chèques zombies. 23 000 chèques zombies. En parlant de ça, en parlant de corruption ça qui gagne en administration publique là, et comment comprendre rapport ULCC présenté là côté que gagne un paquet ancien sénateur qui leve un paquet l'argent dans ONA qui a fait fraude, qui a fait corruption. Donc est-ce qu'on pense là gouvernement Ariel Henry yo pral poursuivre moun sa ou bien même moun sa qui indexé dans rapport ULCC, c'est des moun qui s'est allié pouvoir encore là, par exemple ou gagne sénateur Franck Exius ou gagne Yuri La Tortue ou gagne plusieurs Ronny Célestin. Donc ou pense gagne un bagage qui pral fait bon suivi qui pral fait par le côté juridiction yo commissaire yo? Non pas gagne qu'a fait parce que Monsieur Sayo, et toute l'agent a, et pour que vous songez les ILCC étaient convoqués sous Jovenel Moïse, qui ça vous dit? Les étaient convoqués pour maman Yuri, vous songez tout ça vous fait? C'était persécution politique, c'était persécution politique, Jovenel, eh bien, je vous dis, Jovenel pas là, rapport à ceci, n'a pas pour nous faire affaire. On y a tout, on est d'accord, c'est pas persécution politique, mais sérieux, c'est arrivé, sérieux, t'es là. Sérieux là. Et c'est yo qui mette GBI à côté lié à. Ça veut dire, je dis à ILCC, fait travail lié. Tout le monde s'entend là. Jovenel Moïse parle là. Ou est-ce qu'on a passé inaperçu? Inaperçu. Tout le monde s'en est. Si Jovenel était là, je t'ai dit, c'est Jovenel qui a persécuté le monde, ou t'as plein de liens de Paul, ou t'as plein de Jamona, ou t'as plein de tout. T'as dit, c'est Jovenel qui a passé persécuté le monde, pas de corruption, comment pour convoquer maman sénateur, comment pour convoquer sénateur, comment pour mettre la porte derrière son sénateur. Mais nous, tout, attendez, il y a un pays que nous, on est capable de bien faire. Qui gagne dans la radio, ce sont des réactionnaires qui infiltrent des institutions, des outils de démocratiques au profit des corrompus et des corrupteurs. C'est ça la question. Aïe. Parce que nous songez quand tu étais mon yobete de l'envoyal potessi pour Marie-Ouvi devant Yel, c'est ça? Très bien. Puis je dis, t'as que Jovenel te dit, pour moi, Jovenel accepte de mourir pour détourner nos poissons qui coquent dans le golfe. Je dis à tout le monde, ouais, ça, monsieur Tabdio, ça le tape fait, c'est pas trahir de la personne, c'est pas politique, c'est pas persécution politique. Cependant, il était venu dans l'autre Haïti, il était venu, il a un état de droit, mais, il n'a pas de venir lui-même, mais je dis à, ILCC reproduit la poire, bah, yo. On y a tout le monde dans elle. Dernière question pour nous finir, Rosemont Jean, c'est sur le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et dossier assassinat président Jovenel Moïse, et jusqu'à présent, il n'y a pas en Haïti et aux États-Unis, nous ne connaissons pas qui ça a réglé avec le dossier, parce que l'organe de façon complot à monter pour y tout le président, et il y a des séries de monde qui sont sur scène internationale qui vraiment influent en Haïti, on va être comme ça, on complot comme ça, pas qu'à monter pour tout le président. Et puis pour nous, ça n'a pas qu'on a rien là-dedans, pour nous, ça n'a pas fait rien, pour arriver même pour le président, je crois. Nous, ouais, et dans le jour qui se passe là, FBI rentre en Haïti, il y a 4 présumés et suspects, 4 présumés assassins dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, il y a pasteur Emmanuel Sanon, il y a James Solage, il y a Joseph Vincent, il y a un Colombien qui était dans la pénitentiaire nationale, il y a allé avec eux. Et comment ou même où est le dossier? Est-ce que en Haïti là, et dossier assassinat président Jovenel Moïse, bon espoir pour lumière en fait sous lui, ou bien Napton, par bon côté par nous, les jovenelistes réunis, regroupés, est-ce que Napton, c'est États-Unis qui pour faire lumière sur le dossier assassinat président?
Non, moi-même, pas dans les États-Unis seulement. M'attend les États-Unis dans un parti. Un parti m'attend les États-Unis, on me connaît. Gros parti, les États-Unis a intervenu, mais le pape est intervenu pour Jovenel, l'a intervenu parce que monsieur, tu planifié crime dans son sol la caillou pour la moralité et la caillou, il a pris des décisions, il a sanctionné le monde parce qu'il plante fait sous territoire. Mais en ce qui a trait à enquête justice pour Jovenel Moïse, je ne peux pas espérer parce que pour qui ça me dit, je ne peux pas espérer. Si les États-Unis, à travers la CIA, épargnent président ukrainien Zelensky de 10 tentatives d'assassinat dans moins d'un mois, alors que pour Jovenel Moïse, pendant que vous partagez même, vous partagez le gouvernement avec Jovenel Moïse, parce que depuis dit Buni, c'est une mission politique là, c'est résolution Conseil de sécurité de l'ONU qui mettait là, qui est lié son américaine, pour le dire, pour toute bagaille ça y a fait sous territoire, la Kaili, il n'est pas au courant. Il ne sait même pas que j'aime quoi ça. Un assassinat, crapuleux, un chef d'État, dans la dimension Jovenel Moïse, pas qu'à faire pour la CIA, pas au courant. Non seulement, pas au courant, il était au courant, mais s'il n'a pas participé là-dedans, il n'a pas fait. OK? Yo vin pour un monsieur, même j'ai été vin pour Toto Constant, et puis à pour pas jamais entendre parler de yo. Même j'ai été vin pour dossier fois, pas pour pas jamais entendre parler de yo. Pour yo arriver dans véritable procès, yo pour jouer un citoyen yo, impliqué, à niveau citoyen impliqué, bien la justice américaine a seulement continué à mettre scellé sous dossier. Yo pour l'invoquer pour sécurité intérieure des États-Unis. Pour la Caïpano, pour Haïti, on ne peut pas espérer que nous avons une justice, nous avons une bataille pour nous faire mémoire Jovenel vivant jusqu'à ce que le gouvernement, l'autre gouvernement, qui est techniquement compétent, qui est élu démocratiquement, qui passe dans l'élection démocratiquement, qui a venu avec un objectif pour faire lumière. Non seulement sous Jovenel Moïse, sous Montferrier Doval, sous ensemble de l'autre monde qui ont assassiné. Mais on pas qu'à compter sous justice, ça, là. Parce que justice, là, à plus haut niveau, t'es déjà participé dans le projet pour t'assassiner Jovenel. Ou te songez, yo t'a pris le 7 février, puis yo t'a mené dans Tibois. Habitation Petit Bois. Habitation Petit Bois. Mais c'était trois juges, à plus haut niveau, cour cassation, qui étaient dans le complot. Ça veut dire, si le juge, t'es déjà dans le complot. Si jamais, t'es un juge d'instruction qui émet un mandat d'arrêt contre le président, et puis, nèg qui t'es le doyen, Gwenda Saint-Ville, il n'est pas invoqué, il n'est pas fait, il quitte sa passé. On se doyen qui là pour distribuer dossier. Avec dit dossier, je venais là, je n'ai même pas vrai. Tout à fait. Et puis, il distribue ce qu'elle connaît, il n'y a pas de droit pour suivre le président. Jusqu'à ce qu'il prenne son mandat d'arrêt. Je vais aller à Mme Koch pour que Mme Koch lui-même ait fait lobby dans ce lieu pour capable permettre que Colombien vienne là pour venir assassiner Jovenel. Je dis, si pas de réforme en profondeur qui fait dans le système de justice, ça là, tout ça qu'a fait là, c'est pour l'opinion. Vous comprenez? Ce travail, il a travaillé l'opinion, il a pris le monde pour ne pas passer trop l'aide. Parce que ce n'est pas la police d'abord qui t'a arrêté Colombien, qui t'a arrêté, mais c'était la population. Kounya, si eux-mêmes ne parlent pas, ils ne font pas de bagaille. Après, ils ne parlent pas trop l'aide. Ils ont montré l'enquête, ils ont voulu laisser ceci, ils ont voulu laisser là. Cependant, moi-même, moi, certains, j'ai une certitude que tout autant, pas un autre gouvernement techniquement compétent, politiquement conscient, qui sortit dans l'élection démocratique, qui vient là, qui passe mais. Dans le système judiciaire pour l'autre caractère, l'autre dimension, eh bien, nous allons espérer justice parce que nous-mêmes, nous n'avons pas demandé pour l'assassin, pas demandé pour Ariel Henry, mais que code n'a pas peut-être lui. Vous connaissez ça, pas demandé ça. Et nous-mêmes, qui c'est journaliste, et qui action nous décide de poser, qui action nous paraît pour nous poser au niveau national et au niveau international pour nous
garder comment nous arriver poursuivre différents monde qui impliqués directement ou indirectement dans assassinat président et nous ouais pas bon côté pas nous dans pays pas nous en Haïti la justice pas arriver inviter monde ça pas arriver mettre code dans pour pas arriver indexer directement sinon que opinion publique là clameur publique là qui a bien tel là dans les tel là dans donc qui ça nous même nous décider faire qui ça nous compte faire parlons maintenant yo. Parlons maintenant pour ne pas détourner dans l'audio. Nous avons travaillé, nous avons fait mobilisation, nous avons conscientisé, nous avons mis l'huile masquée, nous avons préparé, jusqu'à ce que. Où est-ce qu'il y a une quantité niveau scandale qui a pété entre eux? Créer confusion dans le métier, pour nous dénoncer l'autre, pour nous abonner l'autre, jusqu'à ce que nous arrivions côté nous pour aller là, et puis, puisque nous presque fini d'identifier ça, c'est ça qui est plus facile la critique pour nous faire. Et juger. N'a vide de l'eau, n'a plus mes baleines. Regarde, Yannick, moi-même, je prouve, moi-même, je suis un qui ouais, ouais, l'huile basketti, il y a un an, un jour pour le brûler. Il y a pour le voir un an, un jour pour le travail. Il y a un an, un jour. Il finit de brûler, il y a un travail, il travail. Regardez bien pour eux. Il y a un nec, mais tu dis, si n'est pas fou et bouge, dans la bataille, ça. Pour permettre Jovenel Moïse, je ne sais pas si il y a pour le tournoi errant. Yon errant. L'Éternel te dit, Caïn, où est Abel? Caïn répond avec arrogance. Vous ne pouvez pas me garder Abel pour vous. Et même Jean te dit, Matéli, où est Jovenel? Il n'y a pas de répondre. Il n'y a pour ne pas recevoir aucun côté sur la terre. Je dis là. Je dis là. Ça que t'as dit où? Réginal Boulos t'a obligé de mettre tout bien sous nos petits pieds. Parce que Réginal Rimaïti, ça que t'a dit Réginal Boulos t'a marché de tout le monde malade pour ne pas poursuivre. Il te dit un combat. Il te dit un combat. Mm-hmm. Et ça le dit, pas vrai? Mm-hmm. Moi, il dit un combat, il dit un combat. Et bien, nous, nous disons, il demande de combattir. Mais tant qu'il faut, il n'y a pas de combat avec elle. Je dis à Céline, pas Haïti. Je vous dis, j'ai volé. Ou pas, rappelons tout dernièrement, Dimitri Vopter, Pélido, il était loin, ou là, t'es long, t'es difficile, et vous mettez tant dans 15 jours l'avenir, pas vrai? Vous mettez barricade boulé? Vous bouchez frontière? Pas grave, avion vous volez encore? Questionnement, en pile. Son combat. Nous disons son combat. Et nous-mêmes, c'est dans la justice, nous croyons dans la justice divine, nous croyons dans le bagage qui est conduit, et du petit maman Marie, pas jamais fait de bataille. Moi, je réponds, moi, je dis, Jovenel Moïse, c'est petit grand Saint-Anne charitable, elle cherche à connaître qui est cette grande monde, ça l'a fait à ce petit chaise, ça l'a fait. Rosemont Jean, c'est un véritable plaisir pour me te recevoir aujourd'hui dans l'émission. Non pas les pays, non pas les politiques, nous faisons des débats sur l'insécurité qui a ravagé la société et on propose des solutions et vraiment, vraiment, qui tape vraiment excellent si le gouvernement t'a appliqué, si vous t'a pris bonne note pour y regarder dans quelle mesure vous t'a rétabli la paix et la sécurité en dedans pays. Et m'espérer à gagner l'autre occasion encore pour nous continuer à parler et pour nous continuer à discuter sous problème pays. Mais avant d'aller, qui dernier mot à quitter pour l'auditoire là, qui dernier mot à quitter pour la population haïtienne là? Bon, moi t'as dit à la population, spécialement frère nous, c'est nous qui avons vu la diaspora. Pour faire même gens avec Néhémie. Néhémie t'a bien mangé. Néhémie t'a bien brûlé dans Kaïwa. Néhémie t'a mené dans Kaïwa. Mais Néhémie prend une nouvelle que Mirage Jéricho a crasé. Il m'a dit, ouais, bonne chance pour mal bâtir Jérusalem, pour mal bâtir Mirage Jéricho, que m'a appris qui tombait. Le Néhémie t'a venu, il pas venu de mes pieds. Il t'a venu à l'exam, il t'a venu à tout bagay, il t'a venu à l'argent. Il t'a venu à l'argent, il t'a venu à l'exam. Tout bagay pour le reconstruire. Il raille Jéricho quoi. Et bien, je dis à ma petite, chaque citoyen, transforme tête non en un Néhémie. Ou te mettre ou te gagne 10 ans, 20 ans, 30 ans, dans un pays étranger. Mais pas la caille. La caille est la caille. Bon temps, ou a fait un travail.
ou ap senti fòk son ti soleil pou ta vinn pran. Pa kite voyou yo, pa kite delinkan, pa kite terroriste, pa kite nèg sa ou pè peyi a fò rete di honèt. Monte ekip nou. Sak nan lami Ameriken, sak nan lami Fransè, sak nan lami Kanadyen, sak nan lami Dominikèn, sak nan lami Meksikèn, sak nan lami Kolombi, depi ou sa Ayisyen. Ou regroupe nou ansanm. Vin pou te peyi nou kout men. Peyi a va kre rekonesan anvè nou men. E mwen men mwen pense, se nou tout ansanm ki pou mete men. Se pa kouri pou nou kouri ki te peyi a. Kote nan kouri nou pralè a, se goumen ou te goumen ki fò ka jwenn ni pou ale. Si ou vin goumen la kayo, ou vin batay pou stabilite, pou la pè, pou tranquilite, pou sekirite pou nan de peyi a. Pour créer une richesse, pour créer un emploi, ou finir par vivre la caille, mais bien que l'autre a vivre la caille, que l'autre a vivre à l'étranger, que l'autre a vivre dans l'étranger. Je dis à nous, nous menons politique, nous permettons tout bon docteur nous aller, tout bon chimien nous aller, tout bon ingénieur nous aller, tout bon avocat nous aller, tout bon compétence nous aller. Pays, pas fait avec l'argent, mais c'est cadre, c'est compétence, c'est valeur Canada pour nous mener là qui fait pays, richesse, patrimoine pays, ça aurait les productions nationales pays, c'est cadeau, c'est valet nous, c'est diaspora nous gagne de l'euro. Nous t'en demandons nous, pour assurer, quel que soit côté nous, pensez, réfléchis, mettez ensemble, pour nous qui coûte comme diaspora, petit pays, pour qu'on tourne, pour bailler Haïti, pour permettre Haïti chez nous, capable. Reprend l'oxygène qu'il a besoin, hein? Et puis pour nous-mêmes qui dehors, pour nous capables d'investir dans le pays, nous, pour nous vivre la caille, même si tout l'autre qui est fier des pays, pour nous être fier de la caille. Si nous avons pour nous dire nous, à ce c'est ce que nous avons tout haïtien qui a des compétences, qui a l'étranger, qui a l'argent, qui a des connaissances, pour nous dire, pas de plus bon pays, pas de plus bel pays, pas de pays plus douce qu'Haïti. Seulement ce qu'il y a à faire, c'est courir à faire nous courir. Pour eux-mêmes, ils sont capables de restaurer. Pendant la courrière, Clinton a acheté 500 carottes. Madame Clinton a acheté 200 carottes. Biden voulait acheter terre pour lui. Nous-mêmes, nous avons couru, ils ont même acheté terre. Ils ont même fait mise en place. Ils ont même déclaré citadelle, c'est pour eux. Ils ont déclaré la badie, c'est pour eux. Ils ont déclaré tout côté. Pendant nous-mêmes, nous avons couru, bah, eux. Nous pas quoi, c'est bon stratégie. Mandez nous-mêmes qui ont capacité, qui ont compétence, qui est intellectuel de leur pays. On vient mettre main pour nous sauver, ça nous sauver. Merci. Merci Rosemont Jean et m'espérer avoir l'autre occasion pour nous faire parler, pour nous continuer à parler, pour nous bailler peuple espoir, pour nous bailler peuple plus motivation pour nous battre, pour nous défendre le pays contre vents et marées, contre tout nègre, tout animal, tout plimaille qui voulait déstabiliser le pays, nous créer une insécurité, nous créer une terreur. Nous pas qu'à arriver à contrôler. Merci Rosemont Jean, n'a pas parlé. Invitez-nous pour aujourd'hui dans l'émission, dans l'espace libre opinion. C'était Rosemont Jean et avec lui là. Nous sommes fait un bon râler sur la situation pays. Problème politique, problème insécurité qui a brassé la société, kidnapping, gang et crime d'État qui a fait terreur ça que pouvoir l'État instaurer en dedans dans la société qui fait haïtien pas qu'à vivre dans le pays. Qui fait jeune et jeudi à nous tourner refugié dans notre propre pays, nous pas contre si pour nous monter, nous pas contre si pour nous descendre, nous pas contre si pour nous faire à droite, nous pas contre si pour nous faire à gauche, alors que l'international là, il fait nous comprendre, il fait nous croire que y a peur de nous, il fait nous comprendre, il fait nous croire que y a bataille pour aider Haïti sortir dans condition là, dans situation à vivre là. Nous, un régime sanction prend en dehors du Conseil de sécurité des Nations Unies pour sanctionner et acteurs politiques qui gagnent au trempé dans l'insécurité qui a financé gang. Comprenant que volume insécurité après le baisser, bien volume insécurité en l'augmenter. C'est comme si régime sanction ça yo, honnêtement, et non ça qui est pour avec et capacité que nèg sa ou gen pour voyager tant qu'on paquet nèg qui t'a plein là yo malade yo pas ka prendre soin ni États-Unis ni Canada peut-être c'est seulement un aspect ça un aspect physique là dans ça qui gen pour avec état de santé yo puisque y a volé l'argent pays yo pas construit bon l'hôpital là yo malade c'était courir monter Miami al prendre soin monter Canada al prendre soin aller la France al prendre soin bien journée jodi a yo en bas sanction pas ka faire voyage ça encore
Mais ça pas veut dire pour autant que nèg sa yo qui sous sanction, nèg sa yo qui gen grave accusation comme quoi a financé gang, ça pas changer rien puisque l'insécurité est toujours là. Et le fait que nous, ouais, Nations Unies, ce petit rapport qui accusait ouvertement les États-Unis dans le trafic d'armes, et dans le commencement de l'émission, nous, ouais, qui tout rappelle, nous, ouais, qui tout râle, me fait sous dossier ça. Je ne dis en là, est-ce que les États-Unis prennent conscience, ils prennent arriver à contrôler les questions d'armes qu'ils prennent en Haïti? Non, je ne vais pas faire. Puisque armement aux États-Unis, c'est premier ça qui baille l'argent de l'économie en question d'armes. Nous, ouais, même la caillot. Nous, même aux États-Unis, oui, il y a un gros débat qui a fait dans le Congrès pour question d'armes. Est-ce qu'il y a pour tirer les droits américains pour le porter des armes? Est-ce qu'il y a toujours qu'un bel, etc., etc. C'est toujours un gros débat lié aux États-Unis. Chaque coup de l'élection, lobby, si vous payez des millions, des millions, des millions de dollars pour vous faire lobby pour les armes. Gros compagnie qui a des armes, qui a des armes. Donc, je tiens à la faute de nous comprendre que. Problème ça qu'a prolongé, qu'a brassé une société qui c'est terreur que pouvoir l'État a instauré puisque yo pas voulu résoudre l'insécurité, yo pas voulu résoudre problème gang violence criminelle. Si yo pas voulu résoudre li, n'a conclu noir sur blanc c'est yo même qui instauré, c'est yo même qui a préservé parce que yo gen intérêt là-dedans. Si yo gen intérêt là-dedans, si journée jodi là Ariel pour parler de l'élection, il faut gagner sécurité. Et sécurité, on n'a pas volonté au gain pour rétablir. Li arrange cause Ariel, plus temps sous pouvoir, plus l'argent. Vous comprenez? La lose koyo. Entre temps, on a perdu la vie. Entre temps, on n'a pas qu'à vivre. Entre temps, si on n'a pas qu'à l'école. Entre temps, même les petits tout l'école, ils viennent kidnapper dans l'école là, tout petit tout. Donc, je ne veux dire, c'est qui ça voulait faire payer. Et nous attendons qui proposition, heureusement, j'en fais, dans ça qui gagne pour avec sécurité. Si le gouvernement te le fond bagay, il a décrété l'état d'urgence sécuritaire, il a pris toute disposition qui marchait avec l'état d'urgence. Rétablir sécurité en dedans pays, sa priorité, il a priorité numéro un. Mais comme il a pas voulu, il a eu intérêt dans l'insécurité. Donc nous ka comprendre ça va passer là. Eh bien, nous avons prêté là pour aujourd'hui dans l'émission. Rendez-vous en cassé demain dans l'autre émission, dans l'autre vidéo. Déjà, m'invite à partager vidéo, à partager un maximum de commentaires, un maximum de partages. Encourager le travail positif qu'a fait là. Encourager le travail citoyen, ça. Encourager le fait que nous prenons temps, nous, malgré tout problème qui est dans le pays, toute menace qui pesait sur nous, pour nous continuer à faire éducation politique. Peuple, auditoire, moun kap gade, moun kap tande. C'est toujours même plaisir là pour m'te avec vous. Ma prapro ou sous TAC 509 tout haïtien connecté. Sou pourquoi abonner, abonner, activer petit cloche notification et qu'on soit pas prate aucun non vidéo n'a gagné pour nous poster. Dernière micro présentation, c'est toujours même Yannick la même voix. Et pas changer. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, tendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et puis on agit. Désespoir, de machination politique, il est non-dit. Mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel parle là pour bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle pays, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, l'homme même voix. On y est.